Hello! Bienvenue dans ce vlog spécial Hameau du Père Noël. Tu as vu que j'ai mis le pull qu'il faut. Mes chaussures, c'est des Vans. J'ai oublié de les mettre sur le plan avec les fringues et tout, mais c'est des Vans. Oui, en fait, le Hameau du Père Noël, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de reconstitution de l'environnement du Père Noël. Ça se trouve à je sais plus quoi. C'est un peu au-dessus d'Annecy et en dessous de Genève. C'est vraiment à la frontière suisse. Et du coup, bah voilà, ma mère avait envie d'y aller et j'avais envie d'y aller parce que j'adore Noël, hein, tu le sais. Donc du coup, j'ai ramené Clémence et Véro. Il y aura mon frère, sa copine, ma mère et son chéri. Et je me suis dit qu'un petit vlog spécial Hameau du Père Noël sur des musiques Noël un petit peu remixées, hein, toujours, eh ben ça pouvait être sympa. Donc c'est parti, direction le hameau du Père Noël. Et tu vas le voir sur la route, il fait très beau. Il y avait la Lagadou, on est arrivé au hameau du Père Noël, on s'est garé. Alors après je sais pas comment on rejoint à pied, mais je suis à contre-jour, non? C'est une très belle vue que nous avons sur une petite plaine enneigée. Là il y a de la neige juste là. Je sais pas à quoi m'attendre si ce n'est une boutique, un salon de thé, un hameau du Père Noël, des décors, ça va être sympa. T'es jamais venu? Pour 10 euros l'entrée. On va voir ce que ça donne. On va dire bonjour à la famille. C'est la maison du Père Fouettard, ça. On dirait pas, je trouve ça très mignon quand même. Un peu trop mignon pour le Père Fouettard, mais... Ça, c'est un lit pour un nain, d'ailleurs. Comment on fait son lit? On se couche. Ouais. Ça, c'est du... C'est de l'huile... Au Père Noël. De l'huile de palme. Confisqué. Plein d'huile de palme. Bah non, c'est pas du Nutella, c'est du Nutella. Et même le Nutella avec deux L, on dit Nutella. Voilà. Ça c'est beauty ça. Les champignons à l'envers. C'est beauty. Wingardium Leviosa. C'est trop ça en plus la plume. Ouais, la plume c'est vraiment le même style. It's Leviosa. Non, Leviosa. Ah mais maman c'est la Joconde, d'accord. Mamey. Come on. Ouais, enfin la Joconde qui a mangé pas mal de cookies mais... Cousine Rose, ça t'as je sais pas quoi. Ça c'est l'armoire, ils se sont dit on va faire ça à la fin parce qu'on sait pas trop. Ouais, oh putain, c'est un peu bizarre là-haut. C'était la maison du Père Fouettard. C'était long en fait. C'est ça qui est cool, c'est que c'était long. Enfin, c'était une sacrée maison. Ah ouais, moi qui sort. C'est la montagne là-haut. Il y a de la neige, c'est cool. Putain, j'ai toujours tendance à regarder là, alors que ça fume là. Maintenant que tu le dis, ouais, moi aussi, surtout sur celui-là. Ouais. Après, j'ai envie de dire, ils se regardent dans le rendu. Thank you.
Moi, j'avoue que Pierre. C'est là où mangent les lutins. C'est tout petit. Hein? Oui, ça fait mal aux doigts, pardon. Bon bah là c'était je sais plus. Oh, il y a le Père Noël. Et actuellement il neige. On voit pas beaucoup mais il neige. Ça je sais pas ce que c'est mais c'est joli. Bon, on va continuer le trajet, je sais pas où ça mène mais c'était très sympa. Enfin c'est pas fini bien sûr hein, mais c'est toutes les directions du Père Noël. Je pense que les panneaux ils mènent vraiment aux vraies directions. Ce qui est plutôt cool. Il est occupé avec les enfants, bien sûr. Oh, waouh! Il y a des guirlandes sur tout le long des baraques. T'as vlogué le Père Noël? Super beau. Bah ouais. Non, ça se voit pas, c'est quand même. Ouais, si, si, le nez. Les essuyer un peu. Le nez. Et tout le monde nous regarde, vous avez conscience. Ouais, complètement, puis elle filme en plus. Ouais. Après, filme, ça, alors, moi, je vous souhaite un bon Noël à tous. Ouais. Merci. Voilà. Bon courage. Bon. Allez, aussi. Merci. Ça doit être joli. Prochaine fois qu'on revient, c'est avec les petits-enfants. Je bois un petit chocolat, on est posé à la petite brasserie. Moi, j'ai pris sirop d'érable. Et nous c'est après, au sucre toi. Nutella. Non. Non, attends. Non, c'est crème de marron que j'avais demandé. Mais attends, peut-être qu'il s'est gouré. Voilà une petite crêpe, un petit chocolat chaud, c'est sympa. La visite elle est finie ou pas? Oui, après il y a le magasin. Ah. Le magasin. Moi j'ai glissé sous ma veste. Non, on plus l'arbre. Comme celui qui a voyagé en tout le monde. Le pire étant les enfants. Ça c'est une horreur.
toutes les saveurs. Ça fait maison, j'adore. Bon là on est dans la boutique. C'est calendrier de l'Avent, mais réutilisable. C'est très cher, mais c'est... C'est unique têtu. Et ils font plus de calendrier de l'Avent de la marque Jaco, là, les bons. Ah, les bons pas chers, ouais. C'était un vrai sucre d'orge, le gros, là, à 13 euros. Un vrai de vrai. Oh, il y a des bonnets. C'est cher, mais c'est beau. Hein. Avec l'étiquette. Avec l'étiquette. Ah, indispensable là, Romain. On ne peut pas faire Noël sans ça. Joyeux Noël. Eh, les chaussons, ils sont trop stylés. Les cache-oreilles. Ouais, je sais, j'ai vu. Oh, ils sont trop bien. Ah ouais, mais si, c'est combien ça? Je vais prendre des chaussons, chérie. C'est vrai? Ah ouais, regarde. Ah non, c'est mes chaussons. Moi, j'achète ça. Ça, c'est ta taille? J'aurais adoré prendre un plaid, mais ils sont vraiment trop chers. Très beau, mais très cher. N'est-ce pas vrai Christmas time? J'ai d'ailleurs aussi pris ce joli mug. C'était une très bonne petite balade. Ça va être chiant le bruit. C'était une très bonne balade, le hameau du Père Noël. Hein. Je parle du prix parce que c'est souvent ce qui est plus intéressant. On y a resté quoi? Je sais pas, on y a resté 2 heures? 1 heure et demie? Ouais, finalement, pas mal. Hein. De très belles images. Hein. J'ai surtout voulu filmer l'ambiance pour te montrer un petit peu à quoi ça ressemblait. C'était très immersif, ça faisait vraiment genre on était en Laponie et c'était la maison du Père Noël, c'était vraiment stylé. Là on va en soirée avec, on va chez Félix, pour une fois qu'on va chez Félix. C'était le vlog hameau du Père Noël, j'espère que ça t'a plu. Moi ça m'a plu, ça s'entend au petit gros lot. On se retrouve très vite pour un prochain vlog inédit de la mort qui tue. Les bébés font dodo là. Les trois à côté, on voit les fesses là.